sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour unboxer un petit colis. Il me semble que c'est la Gloria, je pense. Oui, c'est ça, c'est la Gloria. J'avais un doute comme ça. Donc, je ne l'ai pas encore ouverte. On va regarder ça de suite. J'enlève l'étiquette parce que j'aime bien jeter mes colis, mais sans mon nom. On ouvre et on regarde tout de suite. Oh, elle est toujours magnifique, la Gloria. Regardez. Waking up in Bali. Alors, on savait, on avait déjà l'info que c'était Bali. Regardez, elle est magnifique. Souvent, ces colis, enfin, ces boîtes, je les utilise pour mes colis vintage, moi. Alors, j'espère que vous êtes contentes, ceux qui m'achètent des petits trucs sur Vinted, parce que, franchement, elles sont trop belles. On ouvre de suite. On a un petit... comment on appelle ça, un flyer, avec les produits dedans et tout, ça évite de scanner un QR code qui ne fonctionne pas, comme ça a été le cas pour la Glossy, je crois, Glossy Box. Ok, bon, on va commencer. Donc, on a comme une routine. Il faut savoir que la Gloria a été rachetée par Beautiful Box. Je ne suis pas droite là. Hop. Donc, voilà, c'est à peu près le même principe. Alors, Waking Up in Bali. Je vais lire un peu le petit papier là que voici. Laissez-vous emporter par cette escapade sensorielle dans laquelle chaque cosmétique éveille vos sens. Envolez-vous sur cette île paradisiaque bercée par ses doux matins, son soleil, ses fleurs exotiques et ses frénétiques soirées balinaises. Ce mois-ci, Gloria vous propose une sélection de soins vibrants aux couleurs flamboyantes. C'est pour ça que je suis en rose flamboyante. Enfin, je ne le savais pas, mais... Et aux parfums floraux enivrants qui vous transportent vers les sublimes et festives plages de Bali. Je rêve d'aller à Bali, moi, en tout cas. J'en rêverai. Après, il nous spoil un peu, donc je ne vais pas trop regarder. On va commencer tout de suite et regarder le premier produit de la routine. C'est celui-ci. Alors, qu'est-ce que c'est? Crème solaire. Ça y est, on rentre dans l'été, on a des crèmes solaires. Alors, la marque, c'est Sun Tribe. Je ne connais pas du tout. Donc, résistant à l'eau, UVA, UVB et Broad Spectrum. SPF 30, 100% naturel, ça fait 40 millilitres. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Donc, valeur 17,99€ quand même pour un petit tube de 40 millilitres. C'est cher. Hein. Donc, pas d'inquiétude à avoir pour les ingrédients de cette crème solaire teintée. Ok. Elle est sans danger pour vous et pour la nature. Et oui, ce soin naturel et minéral offre une protection sûre contre les UVA et les UVB dès la première application. Légèrement teintées, elles se font parfaitement à votre teint. On adore. Donc, je pense que c'est pour tout type de peau, puisque c'est teinté naturellement. Ok. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Quoi d'autre? Donc, protégez votre peau grâce à l'oxyde de zinc, un filtre solaire minéral qui prend autant soin de vous que de l'environnement. Il y a de l'huile de coco et ainsi que du beurre de cacao. Réparateur et apaisant. Soin complet. Ok. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce que ça ne va pas être utilisé. Vous voyez, c'est bien fermé. Ça ne va pas être utilisé tout de suite. Mais je le prendrai quand je partirai en vacances. C'est sûr. Ensuite, on continue avec ça. Deuxième produit. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est de la marque Christian au purée. Il était ouvert. Ça s'est ouais, déversé un peu. Ça s'est pas trop déversé. J'ai eu de la chance. Mais un chouïa. Parce qu'il n'était pas bien vissé. J'ai eu beaucoup de chance au final. Parce que il n'y en a pas beaucoup qui s'est déversé. Ça sent bon déjà. Donc de Christian Lénard. Une eau fraîche, fleur exotique, corps et cheveux. Sous forme de spray, comme ça, très très joli. Alors vous voyez, ça s'est pas trop renversé, j'ai eu énormément de chance, parce que je vois que la boîte est un petit peu mouillée, mais pas trop. Enfin, c'est pas la boîte qui est mouillée, c'est les frisottis là.
Alors, comment on s'en sert? Donc, c'est une eau d'été fleur exotique d'une valeur de 7 euros. Ça fait 50 millilitres, très bien. Dévoilez votre féminité avec cette eau fraîche aux fleurs exotiques. Enveloppez votre peau et vos cheveux d'une délicate fragrance féminine et solaire pour vous parfumer en toute légèreté. Vous allez l'adorer. Bon, bah, je l'ai senti puisque ça s'est déversé un peu. Alors, c'est léger, c'est pas entêtant du tout. C'est plutôt pas mal. C'est léger, c'est très très bien. Ça a une valeur, donc, je vous l'ai dit, de 7 euros. Composé à 95% d'ingrédients d'origine naturelle, sa formule non phototoxique vous permet de vous parfumer pendant les beaux jours d'été. À vous les notes solaires et sucrées de fleurs de tiaré et de vanille. Bienvenue à Bali. Très très bien, je suis super contente. Mais il faut bien bien le visser, hein. J'ai eu beaucoup de chance qu'il soit encore plat. Troisième produit de la routine, c'est un gros. Alors, on a déjà eu. Ouais, j'ai déjà eu cette marque, Hydracle. C'est la marque masque cheveux à l'extrait de noix de coco. Ça fait 100 millilitres. C'est un gros format. Très, très bien. Sur cheveux lavés et essorés, appliquez le masque sur toutes vos longueurs. Laissez agir 3 minutes et rincez soigneusement. Ce masque capillaire à la texture riche et fondante permet d'embellir vos cheveux et de les rendre éclatants au quotidien. L'huile d'argan et le beurre de karité agissent en synergie pour maintenir vos cheveux en bon état. Ça a une valeur de 25 euros quand même, hein. C'est pas mal. Hein, c'est un beau, beau format. Est-ce qu'il est operculé? Non. Ouais, mais ça va être utilisé très, très bien. Un masque, c'est parfait. Très contente. Ensuite, on continue. Ah, là, c'est du maquillage. Très bien. Oula, attendez, vous allez voir. Donc, c'est de la marque Lower East Side. C'est un eyeliner. Je vous montre déjà le packaging. Hop, comme ça. C'est un eyeliner, mais je pense que la couleur est assez surprenante. C'est Purple Sky. C'est-à-dire que c'est rose. Ça a une valeur de 19 euros. Alors, ça, je ne suis pas sûre de lui. Quoique, eyeliner rose, j'en ai un que j'avais acheté sur Chine. De la collection Bisounours que j'aime beaucoup. Alors, je crois que j'en ai mis là. Non, c'est pas. Je sais pas si ça se voit. C'est pas rose, c'est mauve. Ouf, oui. Alors si c'est rose comme ça, je vous montre. Si c'est vraiment rose comme ça, c'est un rose quand même pétant, hein, flashy, hein. Je vais pas l'ouvrir. Je vais me renseigner quand même, mais je l'ouvre pas. Comme ça. Il y a de la casse là-bas. Comme ça, si il me plaît pas, je vais regarder un petit peu sur Internet. S'il me plaît pas, je vous le mettrai sur Vinted comme d'habitude. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Hop, on le remet là. Voici en avant-première votre nouvel eyeliner rose estival. C'est le maquillage qui vient parfaire votre routine colorée. Avec son embout précis, l'application est très facile, autant pour les débutantes que pour les plus aguerries. Sa formule résiste même à l'eau et vous évite ainsi les bavures. D'accord. Bon, on sait comment utiliser un eyeliner, je ne vais pas vous expliquer. Hein. Hop. Ok. Bon, je ne sais pas si je vais le garder. On va voir. Je ne suis pas sûre pour l'instant. Et on finit avec un accessoire. Ok. Un petit accessoire, donc dans une petite pochette comme ça. C'est un. Vous allez voir, moi je suis en train de le lire, mais je ne l'ai pas vu. C'est un bracelet de cheville ajustable, perle blanche nacrée. Oh, très joli. Ouais, il n'est pas très grand. Hein. J'ai pas une. Ah, si, pour la cheville ici. Je vous montre. Ouais, très joli. Hein, regardez. Les perles sont nacrées, c'est vraiment très joli. Je vais voir si je le mets à ma cheville. Ça a une valeur de. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas écrit de prix, donc je n'en sais rien. Je le mets à ma cheville et je vous montre ça. Est-ce que ça va? Oui, il faut que j'attache vraiment jusqu'au bout, hein, parce que sinon, c'est grand. Je vous montre. Hop, regardez. Ça va. Ça va, ça va. C'est pas trop grand. C'est très joli.
C'est parfait. C'est parfait. Voilà, je suis très contente. Qu'est-ce qu'ils nous disent donc? Parfait pour être à la pointe de la mode, même en maillot de bain au bord de la plage. Ce bracelet cheville aux jolis détails se marie à votre look spécial beach party balinaise. De quoi attirer l'œil en toute subtilité. Les perles blanches nacrées, associées à un délicat coquillage, offrent une touche d'élégance intemporelle à votre tenue, ajoutant une note sophistiquée même à la plage. Ouais, c'est vrai que c'est joli. Moi, j'aime bien en été porter ça, mais il est assez large, hein, c'est-à-dire que moi, je. Voilà. Bon. J'ai pas une grosse cheville, donc ça retombe bien, quoi. Ça retombe. Ok. Oh là, j'ai fait tout fait bouger. On en a fini. On en a fini. On nous annonce un montant. Je vous dirai la totalité de. J'ai bougé le truc. Hein. Je vous dirai la totalité de tous les articles que j'ai eus. Alors, je suis plutôt contente. À part peut-être l'eyeliner rose. Je suis pas sûre de le garder. Voilà. Mais sinon, le reste, c'est pas mal. Une crème solaire, une eau fraîche, un masque capillaire, un petit bracelet de cheville, c'est pas mal. Le petit indice pour le mois prochain, c'est Wet Look. Je vous montre. Ça, c'est pour le mois prochain. Donc là, on est en plein. C'est les vacances, quoi. Peut-être un foulard, une serviette, je sais pas. Les cheveux mouillés, la piscine, on y est. Tout juste sorti de votre piscine ou des plus grands défilés de mode, c'est à s'y méprendre. Rendez-vous le mois prochain pour votre routine wet look iconique. Ben, j'ai hâte en fait. J'ai hâte. Franchement, j'aime bien moi la Gloria. J'aime beaucoup la Gloria. Je trouve que ce soit le design de la boîte, que ce soit les produits qui la plupart du temps c'est des full size, les thèmes sont assez respectés. Donc franchement, je suis très très contente. C'est parfait. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé de ces produits, si vous en connaissez, ce que vous en pensez, si vous avez reçu la box, si vous en êtes contente. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. À commenter la vidéo, donc si vous en avez envie. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. Voilà. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.